Bonjour. Bonjour. Asseyez. Voilà. Si je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, madame, c'est à propos de votre fils. Eh, je suis pas né de la première pluie, monsieur. On dit dernière pluie, maman, pas première pluie. Eh, hey, yo, t'es ce gaming day. Ce bon bougain, baby. Alors voilà, votre fils est le premier de la classe. Il est excellent. C'est vrai, il est extraordinaire. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oh. Merci, merci. Alors voilà, je vous expose le problème. Votre fils est un élève perturbateur. Il perturbe qui? La classe, tous les jours. On en a marre, vraiment, non, c'est bon, on n'en peut plus là. Mais il faut le taper, monsieur. Pourquoi tu ne le tapes pas? Mais maman, vous voilà. Vous voit quoi? Eh, hey, je vous ai apporté ça. Non, ça c'est pas... Tenez. En général, quand je le tape avec ça bien fort, il m'écoute. Gardez-le, j'en ai 8. On aurait aimé savoir si ça vous dirait qu'il saute directement 3 classes, voire 4. Car il est vrai qu'il s'ennuie avec nous, on va pas se mentir. Hein. Il m'apprend même des choses des fois. Oh, de temps en temps, je vous apprends des choses, oui, mais c'est rien, c'est normal, maman. Après plusieurs moments d'hésitation, on a décidé de faire redoubler votre fils, madame. Car il a la moyenne nulle part. Nulle part? C'est ça, nulle part. Même en sport? Même pas en sport. Il n'y a que Dieu, moi, ouais. Ah si, quand même, je pense qu'il y a erreur, quand même. En sport, quand même, je suis... Non? Il n'y a que classe, c'est beau bougandé. Pardon? Hein? Non, elle a dit qu'elle aimait bien la fenêtre. Ah, c'est... Oui. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'il redouble. Pensons vraiment que c'est la meilleure solution pour lui. Ouais. Ça ne sera pas nécessaire. Il va quitter le pays pour de bon. Hein, quoi? Attends, j'ai un appel. Ah oui, allô? Oui. Eh, Kaifio, eh. Au revoir, madame. Ouais. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Mes sincères salutations. Au revoir, monsieur. Également. On y va, maman. Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'aime pas le foot, mais je me suis lancé un défi. Je vais essayer de rentrer dans le stade de Gerland. Et voilà, tranquille. C'est parti. Bonsoir. Le stade de Gérard, c'est plus un stade de foot, c'est un stade de rugby. Voilà, j'étais pas au courant, je me suis fait niquer, voilà, c'est tout.